En couture, please be seated. Veuillez vous asseoir. The court is now back in session. Reprise de l'audience. I give the floor back to the lead co-lawyer for the civil party to put the question to the expert. You have 25 minutes left. La partie civile pour la suite de son interrogatoire, vous disposez de 25 minutes. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Monsieur l'expert, Mr. Expert, j'en viens à un autre sujet qui est le sujet des victimes de transfert forcé. Et je vais vous poser des questions basées sur votre expérience professionnelle, votre pratique avec les victimes des Khmer Rouges, en comparaison avec ce que nous avons entendu dans les audiences depuis un an et demi. Also based on what has been said during the hearings. Est-ce que vous pourriez, en fonction de votre expérience professionnelle et de vos rencontres avec certaines victimes, développer un peu ici l'impact pour ces victimes d'avoir dû quitter leur maison, tout laisser derrière eux, laisser les objets familiers, laisser les souvenirs, laisser tout ce qui constitue le passé d'une famille. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu ce que les gens vous ont dit, ce que ces victimes vous ont dit, et quel était l'impact sur elles de cette perte de la maison et de tout ce contenu que je viens de citer? Leaving their homes, leaving their memories, leaving their belongings, and leaving everything that they knew. Thank you, counsel. Merci, maître. As I have enlightened the court earlier, when we live somewhere, we have an attachment with that place, with the neighborhood, with the people whom you interact with. But then if there is anything that forces people to leave their location, for example, the evacuation during the Khmer Rouge period, then this attachment was detached. In other words, we left our house. And then we lose security, our sense of security is diminished. On perd ainsi son sentiment de sécurité. We lose the place where we worship, we lose on the son lieu de culte. Memory, good memory of the place. We feel les agréables souvenirs rather insecure in terms of spiritual as well as physical security. And in addition, we would feel the loss of the place which we are familiar. For example, we lose the source of income, we lose the place where we have acquainted with. For example, the philosopher of India once said that a home is the best school. So if someone is forced to leave their home, then it means that they lose everything. They lose their contact, their attachment with the family and the surrounding. During the Khmer Rouge period, when people were forcibly evacuated, they were detached from their loved one. For example, parents were separated from children. So, in the course of evacuation, it was not the evacuation of people per se that was problematic at that time, that causes traumatic experience, but they were also tortured, and they were subject to hard labor, including the living condition under constant threat. This was a traumatic experience.
Once they were evacuated to any location, then they were discriminated against. And then the Khmer Rouge soldier at the base had strict surveillance on them, trying to find out their family biography. Also, so they live under constant threat, and as a consequence, that was a traumatic experience, and they lived in constant fear. Et ont vécu dans la peur de façon constante. Some patients. One of the patients that I have treated, when he was moved to a new location, he had a lot of hardship. He had to worship, but at that time he did not even know which God he had to worship. He did not know whether or not that place were a secret place for any religious belief, because at that time mosques or churches or pagodas were built. So the worship tradition and religious ritual were destroyed, and they had a sense of disorientation of place and time. So it seems like the person was living in a completely new environment where he had to resource like this. This is some things that affects the psychological status of a person. Socialiser, ce sont des choses qui peuvent avoir un impact sur l'état psychologique de quelqu'un. Merci, Monsieur l'expert. Pendant le transfert forcé, beaucoup de personnes nous ont expliqué qu'elles avaient été victimes de scènes extrêmement violentes. Est-ce que vous pouvez nous dire, à partir de ce que vous avez entendu, si des traumatismes sont nés, des troubles psychologiques, simplement du fait d'être témoin de scènes de violence? Of your clients had suffered from any form of psychological or mental disorder as a result of having observed those violent scenes? Well, the psychological disorder may be the direct result of the direct encounterance of the traumatic event, or by witnessing the traumatic events, or by just overheard the event. These events may lead to a traumatic experience. Now, if the person did not encounter this by himself, but the person witnessed the traumatic event, then he also suffered a psychological disorder. And some victims only overheard the traumatic event, then he suffered this mental and psychological disorder. Mais peuvent souffrir de troubles psychologiques à cause de cela. Est-ce que vous l'avez constaté dans votre expérience professionnelle? Had you taken notice of this during your professional practice? Indeed, I have. They suffer a psychological disorder concerning this evacuation. Avec cette évacuation. Merci. Je voudrais venir sur un autre thème qui a été beaucoup évoqué par les parties civiles, qui est celui, et pas seulement par elles, qui est celui de la faim obsessionnelle qui ne les quittait pas et qui a dicté leur comportement en permanence. Est-ce que vous avez entendu des victimes évoquer cette faim permanente? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous dire quelles conséquences cela avait sur le comportement de ces personnes et leurs pensées? This may have had on the victims and on their thoughts. Bon,
The President, Mr. Expert, please hold on. Counsel, you may proceed. Thank you, Mr. President. Again, I object to the phraseology in the questions of the lead co-lawyer. Are we speaking about victims in general? Parlons-nous ici des victimes en général, de patients? Are we speaking about people who are subject of a questionnaire used in this article in the Journal of Affective Disorders? We can't. Qui ont répondu au questionnaire dans cet article dans le Journal of Disorders. On ne peut pas parler de victimes dans l'abstrait. Il faut être précis. Et nous devons savoir si l'expert parle, enfin, répondant à des questions, s'il s'agit de choses qu'il a vues dans sa pratique de psychologie, ou si c'est quelque chose qu'il a vu en parlant à des gens dans la rue, ou il faut préciser. Monsieur le Président, encore une fois, je suis surprise de ce genre d'objection. Je comprends que mon confrère n'a pas envie d'entendre cet expert, c'est une chose. Cela dit, j'ai pris le soin à plusieurs reprises de lui demander de répondre sur la base de son expérience professionnelle sur les victimes des Khmer Rouges. Donc je pense qu'il est très clair que cet expert doit répondre en fonction de son expérience avec les victimes des Khmer Rouges, ce qu'il a d'ailleurs précisé d'entrée. Donc je crois qu'indiquer que je lui pose des questions à partir des gens qu'il rencontre dans la rue, c'est tout à fait exagéré et c'est tout à fait injustifié. Nous parlons clairement des victimes des Khmer Rouges et cet expert aussi, je crois, depuis le début. I believe that this should have been understood from the very outset. The President. The lead co-lawyer shall now proceed with her question. And for Mr. Coupe, you will have the opportunity to ask for clarification from the expert. If on any point you are not clear, then you can always ask for clarification with the expert. You may proceed, counsel. Maître, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur l'expert. Est-ce que vous voulez que je repose ma Thank question? Thank you, Mr. Expert. Would you like me to repeat my question for you?
Yes, if you don't mind, please. L'expert. Oui, je vous en prie. Voilà, j'évoquais le fait que de nombreuses personnes ont évoqué, de nombreuses victimes ont évoqué le sentiment de faim obsessionnel qui ne les quittait pas et qui dictait leur comportement en permanence. Hunger. Je voulais savoir si vous aviez entendu des victimes vous parler de ce sentiment de faim, de cette sensation de faim et de cette faim réelle. Et je voudrais que vous nous disiez si cela a, selon vous, si cela avait, selon vous, un effet sur leur comportement et sur leur pensée, et quel effet on their behavior or thought processes. And if so, what kind of effect was there? Thank you. Merci. The traumatic experience is an event that traumatisante is so overwhelmed that a person himself cannot si cope. Now, this traumatic experience has led to the change of behavior and thought process of the person. Donne lieu à un changement de comportement et de processus de pensée. This also leads to the change of his belief as well as his interaction with others around him. So if he is under a traumatic experience, for example, at that time they were under widespread hunger, then the thought process were bound to change. Now, for he or she may forget to comply with the moral obligation, for example, at that time. And I remember during the Khmer Rouge regime, the victims said they could do whatever in order to find something to eat. So this traumatic life experience had a far-reaching impact, and he or she may change the behavior. Cela peut donner lieu à des changements de comportement chez la personne. I cannot be precise whether or not this impact has the impact until today, or it has already been over. Aujourd'hui, ou si la personne a su surmonter cette expérience. Merci. Pour avancer, puisque le temps passe, je vais vous poser une question en vous demandant d'y répondre de façon très courte. Est-ce que vous avez souvent entendu vous-même des victimes vous parler de cette faim qui les obsédait? Talk about how frequently the victims spoke to you about hunger. Can you please tell us to what extent they talked to you about their hunger? It was a common thing because people at that time told us about the extreme hunger that they had to endure. Car les gens nous parlaient de cette famine extrême, cette faim extrême qu'ils ont dû endurer. Je voudrais vous poser une question à propos de des enfants encore qui ont décrit combien il était difficile pour eux de voir leurs parents perdre leur force, perdre leur énergie, perdre leur courage, être méprisés, être malades et avoir faim. Est-ce que vous avez entendu des victimes vous décrire des choses comme ça et vous expliquer combien ça avait été difficile pour elles de voir leurs parents se transformer de cette façon? To you, how difficult it was for them to see their parents change and deteriorate before their eyes. Yes, I have heard from the victims, from the patients. They have described the event.
For example, they witnessed their parents committing minor mistakes, and then they were forbidden from crying out, so they expressed their sorrow for their parents. This was another psychological pressure added up to their existing pressure. As a result, they had a tension, you know, the mental strain, and they could almost they could hardly stand. Qu'ils ne pouvaient pas supporter. Merci. Je voudrais évoquer maintenant le cas de la diaspora et des Cambodgiens qui sont partis vivre à l'étranger. Est-ce que vous-même avez eu l'occasion de rencontrer des victimes qui ont vécu sous les Khmers Rouges, des victimes des Khmers Rouges donc, et qui vivent désormais à l'étranger? Who are victims of the Khmer Rouge and who are now living abroad? Well, I have met through my internship when I was studying in New South Wales University in Australia. À l'université de New South Wales, de Nouvelle-Galles du Sud en Australie, j'en ai rencontré. Est-ce que vous pourriez nous dire de quel type de troubles psychologiques sont atteintes ces personnes? What kind of psychological disorder these people suffered from? For all of us, we generally think that Cambodian people who have migrated to a second country, like in a developed world, we probably think that their welfare and well-being is much better than those who are staying back in the country, but actually those people sustain their suffering like Cambodian people back in Cambodia too, because those people who have come across the Khmer Rouge period, once again they lost the attachment during that period. They had to endure a lot of difficulties in life. So once again, the suffering still persists with them. Cambodian people who reside overseas now may find that they are living in a more secure place. They receive more social support than those in Cambodia, but what they lack of is the attachment to their home country, attachment that they had with Cambodia. For example, cultural relation and attachment, the attachment to a religious institution or buildings, for example, in the place where they reside. They do not have a place to worship according to their religious beliefs. And over there, they have difficulties in communicating with them because of language barrier. So there was a study by Professor Hinton in the United States. It finds that the lack of intercultural support, the symptom of psychological disorder appears, and the PTSD also is rising as well as a consequence of the lack of support. And in the course of my internship in Australia, I also noticed that they also expressed their suffering, and the psychiatrist or the mental health counselor in Australia could not really help them that much. But once they consulted with a Cambodian counselor over there, they decided to return to Cambodia to practice certain religious rituals. They organized certain religious events for their lost parents and other relatives. Then the person got better because they believed that they have done something for them. And when they returned to Australia, these people become more active.
So once again, those people who go to live in a farther place from their home country, they encounter some difficulties, social barrier, language barrier, and so on. They tend to also experience some difficulty. A professor in the U.S. also finds that even though they have lived in the United States for 20 years, these people are also subject to problems of PTSD as well as other psychological disorders. Est-ce que vous avez eu vous-même accès ou vous avez eu la possibilité de voir quel était, pas un pourcentage précis, mais en tout cas l'importance de du nombre de Cambodgiens vivant à l'étranger qui seraient atteints de troubles du fait de ce qu'ils ont été victimes du régime des Khmers rouges? Who are Khmer Rouge victims and who are now afflicted with some form of a psychological or mental disorder? Le président, expert, please wait. Councillor Vitacoupe, you may proceed. With all respect, Mr. President, what kind of question is that? Do you have an idea about how many people? Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes? This is an expert. Let's at least ask him questions about scientific research on this topic. Just broadly ask him what, if he has an idea. Lui poser une question large, en lui demandant s'il a une idée de ceci ou de cela, quand même. Je vais reformuler ma question. Est-ce qu'en tant qu'expert, vous avez eu l'occasion de mesurer le pourcentage de personnes parmi les Cambodgiens immigrés qui continuaient de souffrir de troubles post-traumatiques par rapport à la population immigrée? Est-ce que vous avez eu l'occasion de le faire? Et si oui, pouvez-vous nous en dire un mot, s'il vous plaît? If so, can you please say something about it, please? Je n'ai pas pratiqué à l'étranger, je n'ai pas reçu de Khmer vivant à l'étranger, mais certaines recherches scientifiques ont été faites par des gens qui ont travaillé avec des Cambodgiens. Il y a une étude réalisée par Grand Marshall, that is after the 20-year period of a settlement in another country, the rate of PTSD remained at about 60%, and the depression rate is about 50%. Pour la dépression, on se trouve autour de 50%. The subjects of whom he studied, that is about 1,000 of them. Étudiés par ce spécialiste. Autrement dit, un échantillon d'environ 1000 personnes. Le président, maître, votre temps d'interrogatoire est à présent épuisé. The floor is now given to the prosecution. La parole va être donnée à l'accusation. Monsieur le Président, j'ai été beaucoup interrompu. Est-ce que je peux avoir 5 minutes de plus et j'en aurai terminé, s'il vous plaît? In my questioning. Please give me 5 minutes more and I will be done with my examination. We will give you 5 more minutes, but in order not to be interrupted or objected, please make your lines of questioning properly so that you will not be objected by the other side. You may proceed. Des questions en conséquence. Monsieur l'expert, est-ce que vous pourriez nous dire un mot à propos, si votre expérience vous le permet, à propos de victimes qui vous auraient parlé de la souffrance résultant de l'interdiction de pratiquer des religions ou en tout cas des problèmes religieux qui se sont posés pendant le régime des Khmers rouges? Est-ce que vous avez entendu cela? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? That is based on your experience. Can you say something about that? Oui, j'en ai entendu parler.
In general, Cambodian people, en général, when they face issues, they would seek assistance in first in the form of a religious belief. But they lacked that aspect under the Khmer Rouge regime. Mais sous les Khmer Rouge, ils étaient privés de cet aspect. For a regime that did not have sufficient medical health and assistance, they would only resort to religious belief. Se tournaient uniquement vers les croyances religieuses. Turning to such a belief under that regime, sous ce régime, or to lorsqu'on se tournait vers ces croyances, ou lorsqu'on recourait à des pensées magiques, c'était impossible. So they lost that aspect of les Cambodgiens under the regime. Ont donc été privés de cette assistance potentielle. Enfin, monsieur l'expert, à partir de votre expérience et des victimes des Khmer Rouges que vous avez reçues, est-ce que, à partir de leurs doléances et des demandes qu'ils ont formulées, vous êtes en mesure de nous dire quels sont, selon vous, leurs besoins psychologiques aujourd'hui? Can you tell us what their psychological needs are today? In order to treat the trauma, there are a number of factors. Traumatismes, il faut tenir compte firstly, de différents facteurs. It could be a medical treatment and on a peut envisager counseling un traitement service. Médical ainsi qu'un and service secondly, d'accompagnement in relation psychologique. To the needs, their needs. Ensuite, we need to know what their nous devons needs are. Connaître les besoins in de ces personnes. The patient needs harmony, needs la justice, personne a besoin d'harmonie, and wants to know the truth, de justice. Elle veut and connaître needs to be la vérité. Respected in terms of their identity, elle veut que their son culture, identité, sa culture soient respectées. The increase in their economy. So if they could be afforded with all these needs, then si their psychological trauma aspect would be treated or cured. In terms of service provided by TPO in case 001, civil parties wanted justice besides the psychological assistance by TPO, and they wanted an opportunity to participate in the reparation and to share their truthful aussi experience, and they want to be part of the education to prevent elle such occurrence. Mener des activités d'information pour and éviter que ces choses ne se produisent à nouveau. Also said that it's kind certaines of an obligation également as indiqué a child who must pay respect to the parents. Que l'enfant a pour obligation de respecter ses parents. Je vous remercie, monsieur l'expert. Je n'ai plus de questions, thank monsieur you, le président. Thank you, Mr. Expert. I have no further questions for the expert, Mr. President. President, the floor is now given to the prosecution to put questions to this expert. La parole est à présent donnée à l'accusation qui pourra interroger l'expert. Merci, monsieur le président. Thank you, Mr. Bon après-midi à tous. Bonjour, monsieur l'expert. Je n'ai que 15 minutes good pour vous poser des questions et Mr. j'ai de nombreuses questions. I have only 15 minutes je vais essayer de choisir certaines d'entre elles et je vous demanderai bien sûr d'être le plus précis et le plus concis possible dans vos réponses. Ce qui m'intéresse, ce sont les mécanismes psychologiques ou psychiatriques. Et comment pourra s'appliquer en ce qui concerne les victimes que vous avez rencontrées, que vous avez traitées dans votre longue expérience de psychiatre. Alors, première question, si j'ai bien compris, à l'occasion de ce procès, est-ce que la réactivation des souvenirs traumatiques, de la douleur et des souffrances des parties civiles et des victimes en général, peuvent avoir des effets négatifs à court terme, can have negative augmentation short-term de la souffrance, effects de la colère, in terms of increasing mais des effets positifs à long terme, but it may also have si la parole de ces personnes effects. Est libérée. If these people
are allowed to speak out. Did I understand your testimony correctly? Thank you. I'd like to focus on a study conducted by TPO in case 001. All of them showed their positive experience as they were able to participate in providing their testimonies. Initially, of course, it would trigger their memory that they could not sleep and that they would feel the anxiety. But these kinds of symptoms subsided upon the conclusion of their testimonies. And they felt that they were recognized by the chamber, that they were given the opportunity to speak out, and that the chamber recognized their suffering. That is the important aspect that assisted them, and that it will also help them in the future. Notamment pour l'avenir. Est-ce qu'à travers cette participation positive des parties civiles au procès, notamment celles qui prennent la parole, est-ce qu'à travers ces personnes, d'autres victimes dans le pays s'identifient à elles et peuvent également connaître une certaine se sentir représentées par ces parties civiles et donc c'est un pas pour elles également dans le long chemin qui mène à la guérison. A step in the direction of healing for them as well, the long journey to healing. Could be an example for those other victims. Some of them, of course, would want to testify, but they might be scared, or there could be due to other factors, and said the avoidance factor, notamment le facteur d'évitement. And upon seeing the appearance of civil parties, that could trigger the change in their mind. Changer and that they may decide at a later stage et to plus tard, testify, ces and that is a positive témoigner. Thing, and that would lead to recovery and reconciliation, qui contribue à la réconciliation et qui permet à ces personnes d'avancer. Vous avez longuement parlé du syndrome d'évitement. You have spoken at peut-être de refoulement et de difficulté de parler des événements vécus sous les Khmers rouges. Est-ce que parmi les facteurs qui sont à l'origine de ce symptôme d'évitement figure un certain nombre d'éléments présents sous les Khmers rouges, c'est-à-dire l'interdiction de montrer ses émotions, regime, de pleurer ses morts, the prohibition to express one's feelings, to mourn the dead, to express one's opinions, éléments or jouer the culture of secrecy among the Khmer Rouge. Can these elements play a role in the syndrome that you have just described? In terms of avoidance, they would think that would be the opportunity for them to deal with the suffering and the fear. So by being avoidant, they would par not face those two aspects and not to speak about them. L'impression de ne pas devoir parler de leur traumatisme. Sometimes the events that took place under the Khmer Rouge regime les événements remontant au régime did not reflect through the symptom of avoidance, ne provoque pas un but syndrome when d'évitement. They face a similar situation, that would trigger such an semblable, event, and that would lead to the symptoms of avoidance. Le syndrome d'évitement fait son apparition. What happened
during the Khmer Rouge regime is something that happened and that les événements that was hidden des Khmer and Rouge it was ready to pump out or to jump out once it is triggered. So then we need to really focus more on the aspect and to make sure whether it is the new event that triggered the events that took place under the Khmer Rouge regime. Si c'est le nouvel événement qui déclenche une réapparition des événements du régime des Khmer Rouge. Merci. Est-ce Thank qu'il you. Y a certains facteurs qui prévalaient sous le régime des Khmer Rouge qui peuvent jouer un rôle aggravant des souffrances ou du syndrome de stress post-traumatique? Et je donnerai deux exemples. Post-traumatic stress Est-ce disorder? Que l'incompréhension Let me give you des one causes example, de la violence du régime Failure to understand L'absence the causes totale of de the sens violence des of the regime, subie du point de vue des the victimes, total ou l'absence de rationalité of meaning des morts, in the acts of the regime, des morts pour rien, des souffrances pour rien, est-ce que tout cela people a pu contribuer no à reason, aggraver for instance, les souffrances et la durabilité des syndromes dont souffrent les victimes des Khmer Rouge? Sufferings of the syndrome that the victims all suffered from, that is the post-traumatic stress disorders the victims all suffered from. Besides the service Merci of question. Psychological treatment en and to meet the needs of the victims, it is the sense of giving meaning to what happened under the Khmer Rouge regime or to give the meaning to what happened in this court. Ou encore de donner un sens There is a study by Mr. Field, Monsieur Field a effectué on the enquête. Psychological behavior and the feeling of taking revenge. Those people who have the traumatic experience and les personnes qui want ont vécu to seek revenge, traumatisante, that veulent symptom se venger, is linked dans certains cas, to the fact that their sense of meaning est lié is not that clear. For example, when it comes to what this court is doing, pas clairement. Autrement dit, si ces gens s'interrogent sur le travail gave to the court du tribunal, is wrong or incorrect. Oh, the meaning that the person gave to what happened under the si regime elle s'interroge sur les événements needs to be de ce régime, assisted somehow by other people and whether their feeling pour can be reconciled or whether their feeling would tempt them toward taking revenge. Et là, on penche soit pour la réconciliation, soit pour la vengeance. Merci, j'ai encore trois questions à poser. Thank you. I have three more questions to put to you. Est-ce que les personnes qui ont perdu des proches dans une période comme celle des Khmer Rouge Regarding persons who lost peuvent ressentir la culpabilité du survivant the Khmer Rouge regime? De n'avoir pas subi le sort de leurs Can proches they feel guilty ou de n'avoir pas pu les aider vis-à-vis those who survived? Do they feel that? Do they feel guilty because they did not endure the fate of those who died during that period? They did not endure the suffering. Yes, we did observe these symptoms for some nous of avons the patients. Ce symptôme a study conducted une étude a été effectuée. By an organization in Berlin regarding the anti-torture aspect, and it was conducted here Alors, in Phnom Penh. Une organisation ici à Phnom Penh. Some patients expressed their regret as they could not defend or protect their relatives who died in the regime. Avoir pu sauver and usually leur they famille. Are connected through the immediate en général, family members, like the children or the parents who died. Les yes, there is a linkage. Directement les membres proches, par exemple les enfants. Ou les parents qui sont morts. Donc il y a effectivement un lien. Merci. Quels sont les risques psychologiques Thank you. Ou les conséquences psychologiques pour les parties civiles et les victimes en général parties, d'un déni de responsabilité,
des dirigeants du Cambodge démocratique. En d'autres termes, du fait que personne n'endosse la responsabilité ou mette cela sur le dos de dirigeants déjà morts ou sur le compte d'une institution sans visage comme l'Anka. Or who are blaming the faceless Anka. Yes, just stated, one aspect of the treatment is to meet the needs of the patient. And through our study of the civil parties in case 001, what they wanted nous avons is justice. Dans le dossier numéro 1, les parties civiles voulaient and if what happened justice, to the relatives I revealed, and that si would part of the recovery mode for them. Révélé, another study by Mr. Asonis in 2012 on the étude a été réalisée. Population, those who feel that they receive justice, il they would feel less traumatic than the opposite group. La justice so by getting justice, it's an important factor for them for future recovery. Dans une perspective d'avenir, il est important pour ces personnes d'obtenir justice. Est-ce que le déni de responsabilité des dirigeants peut être partiellement compensé par la prise de parole lors d'un procès ou, comme vous l'avez déjà souligné, je crois, l'établissement des faits ou de la vérité dans un jugement? Or the establishment of the facts and guilt during the trial. But it is to a certain degree. C'est effectivement le cas. But dans if une certaine it is mesure. A full recovery from a trauma. Mais pour I don't think it's not as easy as that. Ce n'est pas aussi simple que cela. They would still have that kind of feeling in their mind if they are not really clear on what actually happened. S'ils ne savent pas exactement and of course ce qui that s'est would passé. Continue to cause them this traumatic experience. Et cela provoque une persistance du traumatisme. Ma dernière question est la suivante. Quelle est l'importance du question. Point de vue de la progression from de la guérison des victimes que les responsables Khmer Rouge soient jugés victims. Dans cette vie-ci how par la justice is it des hommes that the Khmer Rouge leaders plutôt que d'être punis in this town by human pour beings, instead of leurs éventuelles mauvaises actions punished dans la prochaine vie in selon the les croyances bouddhiques by their own acts, according to Buddhist beliefs. Le président. President, expert, please wait. La parole. Counsel, Victor Coupe. Est à la défense. You may de l'autre chair. Thank you, President. Merci, Monsieur le Président. I hadn't realized that the expert is now also saisi qu'à présent, an expert l'expert in religion, était in Buddhist religion. Un expert en religion maybe he is. Peut-être but, qu'il l'est. So far we haven't established that. Mais so pour I l'instant, think cela this n'a pas été question établi. Goes beyond, je pense que cette question the capacities of this expert. Dépasse les capacités de cet expert. President, thank you, le Counsel Coupe, and your objection is valid. Expert, you are instructed not to respond to the last retenue. Question put to you by l'expert the prosecutor. N'a pas à répondre à la dernière question and de l'accusation. The time is for the prosecutor as well. Le temps d'interrogatoire accordé à l'accusation est à présent épuisé. The floor is now given to la parole Nguyen's defense. Est donnée à la défense de Nguyen Chia. Monsieur le Président, je voulais juste dire merci. The time is up for you. In fact, you said you will have only three more questions, but you asked four more questions, so the floor is not given to you. And instead, the floor is now given to Nguyen Chia's defense. Vous n'avez donc plus la parole. Celle-ci est donnée à la défense de Nguyen Chia.
Monsieur le Président, mon point c'était juste de dire merci à l'expert d'être venu, c'est tout. Merci, je Prosecutor, the time is up for you, so please be seated and Monsieur le procureur, you may proceed. Votre temps de parole est à présent épuisé, veuillez vous rasseoir. La parole est à Maître Copé. Maître Copé. I'm watching the clock, it's 7 minutes to 4. Il est 15h53, la journée a été longue. I had earlier raised the point of the defense needing more time to cross-examine this expert. Now we have been able to listen to his answers this afternoon, so I can be more concrete and more narrow in my request. Dans ma demande. What my cross-examination in general terms would like to achieve général, is that de mon contre-interrogatoire est le suivant. Il s'agira d'établir premièrement si l'expert a parti pris contre l'accusé. Pour le savoir, je dois lui poser des questions concernant ses opinions sur l'autre période Khmer Rouge et les accusés. Deuxièmement, j'entends établir si l'expert possède les compétences requise pour être qualifié d'expert. J'ai entendu ses réponses, j'ai examiné son CV. Nous avons de grands doutes quant à son statut d'expert. Si c'est effectivement un expert, il faut au moins l'établir et poser des questions là-dessus. Troisièmement, nous aimerions poser des questions à l'expert sur la méthode qu'il utilise dans sa pratique et qui l'a conduit à donner les réponses qu'il a faites cet après-midi. Par exemple, sur la question de savoir combien de patients il a, combien de patients il a entendu, comment il a pu savoir que les patients étaient représentatifs des victimes. Bref, beaucoup de questions à poser sur sa méthodologie. Quatrièmement, je suis quelque peu perplexe. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt les articles et publications présentées par les parties civiles. Il y a là des choses très intéressantes. Et j'aimerais poser des questions à l'expert à ce sujet, si effectivement c'est un expert. C'est l'auteur d'un de ces articles écrits collectivement, et pour la justice et la vérité, je dois pouvoir l'interroger sur les articles qu'il a examinés avec d'autres, y compris l'article qu'il vient de citer, remember the chamber that last week a request came from the civil parties to have all these publications added à ce que soit to the case versé file au dossier toutes ces publications to the experts so that we could be reading them beforehand and asking de façon questions. À ce que nous puissions lire ces textes et poser des questions à I have been now using up my 5 minutes. Voilà, j'ai épuisé, je pense, mes 5 ou 10 minutes d'interrogatoire. Voici ma conclusion. Nous avons besoin de beaucoup plus de temps pour interroger Monsieur Chim Sotera. Quickly responding already to je vais earlier, déjà répondre point raised by the prosecutor that we are par too late in selon qui coming with this request. Cette demande arrivait trop tard. Certes, ce courriel a été envoyé par le soir hier, mais à notre sens, cela a été fait dans les délais. Même si nous avions, disons, 50 avocats dans notre équipe, nous n'aurions pas pu le faire plus tôt. Enfin, cela ne change rien. À présent, je demande à la Chambre de reporter la déposition de l'expert à une date ultérieure pour que la défense puisse pleinement exercer son droit de contre-interroger l'expert, puisqu'il s'agit d'un des droits les plus importants dans le cadre d'un procès équitable. President. Counsel Coupe, can you tell us how much time Maître you Coupe, anticipate in putting de questions to this expert? Avoir besoin pour interroger l'expert? Yes, Mr. President, we have indicated in our email comme that, indiqué dans notre courriel, of course, depending on the answers being given by the expert, it might be a full day. Des réponses données, cela pourrait être une journée entière. However, on the other hand, I have also established that a lot of answers
that the expert has been giving might not really lead to relevant evidence necessary for ascertaining the truth. So, nécessairement des éléments de preuve intéressants I would say depends on the answers donc to our questions. Ça dépendra des réponses faites à nos questions. Between half a day and a full day, I would je dirais que nous aurions besoin d'entre une demi-journée et une journée complète. Le président. President, what about Kyiv's and Qu'en est-il de la défense de Kyiv-Saint-Pan? Tell us the time that de you anticipate? Combien de temps pensez-vous avoir besoin? Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Pour nous, en tout état de cause, si tous les thèmes que souhaite aborder notre confrère Copé sont abordés par lui, nous n'aurons besoin, a priori, qu'entre 15 et 20 minutes d'interrogatoire. Colleague Copé would need about 15 minutes. The President. Thank you. How about Mr. Sotira? Or would you be available for the testimony tomorrow, either in the morning or in the afternoon? À venir déposer demain dans la matinée ou l'après-midi? Response. I will be busy in the morning, but I will be available in the afternoon. Mais je suis disponible l'après-midi. The President, thank you. Merci. Madame Counsel, for the civil party, you may proceed. Simon Lefort, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. J'aimerais quand même répondre aux arguments qui viennent d'être développés par mon confrère de la défense de Nunchia, qui nous explique que son objectif est d'établir que l'expert aurait un parti pris, entre autres, et que l'expert ne posséderait pas les compétences. Je voudrais préciser quand même que cet expert est sur nos listes depuis avril 2011 et qu'il y a déjà plusieurs semaines que cet expert a été appelé pour témoigner. Donc je pense que mon confrère savait cela avant et qu'il n'y a pas de raison d'augmenter son temps par rapport à cet argument puisqu'il avait tous les éléments pour apprécier et préparer ses questions à l'avance. J'ajouterais que notre confrère explique qu'il a beaucoup de questions et qu'elles ne tiendront pas dans le temps qui lui est imparti. Je précise que c'est le cas de tout le monde ici et que tout le monde est obligé de faire des restrictions dans ces questions parce que nous avons des temps limités. Nous l'avons fait et je pense qu'il peut le faire. Enfin, j'ajouterai que mon confrère n'a pas placé sur l'interface les articles et qu'il n'est pas question, bien sûr, qu'il évoque des documents qu'il n'a pas choisi de placer sur l'interface. C'est la règle qui a été adoptée par votre Chambre. Par conséquent, il n'a pas besoin non plus, il n'a pas la possibilité de poser des questions sur des documents qu'il n'a pas placés sur l'interface. Et enfin, j'ajouterai que mon confrère souhaite disposer d'un temps très large et il le demande au dernier moment alors que nous savons depuis très longtemps que cet expert allait venir et que nous savons qui était cet expert depuis bien longtemps. Je pense que sa demande n'est pas justifiée et qu'elle est infondée. Well in advance that this expert was going to appear and he did not make his request in time. So his request should not be entertained. Le président. The president. Thank you and Mr. Prosecutor, you may proceed. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Je serai très court. Je voudrais simplement souligner que les parties civiles ont fait parvenir à toutes les parties leur tableau concernant les audiences sur l'impact sur les parties civiles, sur les victimes des crimes allégués sous les Khmers Rouges et que ça a été fait le 3 mai 2013. Et par la suite, votre Chambre a endossé le programme qui avait été proposé par les parties civiles vers la mi-mai, si je ne me trompe pas. Your chamber has also issued et on obtient ensuite, calendar, hier, and schedule based on that, and un long email en contestant la durée qui avait été allouée. La défense pouvait le faire dès le 3 mai. Elle pouvait le faire lorsque vous avez pris votre décision en disant « ce ne sera pas suffisant ». Et aujourd'hui, on nous fait une demande complètement déraisonnable d'une journée réduite à une demi-journée peut-être. C'est disproportionné, c'est déraisonnable. Les parties ont essayé d'interroger cet expert dans le temps qui leur était alloué. Nous avons eu 15 minutes. Nous avons essayé de nous en tenir à cela. Nous avons beaucoup d'autres questions. Nous aurions pu aborder d'autres points, notamment les études qui ont été faites ou les qualifications de l'expert. Par manque de temps,
les coprocureurs n'ont pas pu le faire. Donc je ne pense pas que ce soit justifié, que ce soit raisonnable ou proportionné de donner à la défense un temps aussi important que ne fût-ce qu'une demi-journée. Un temps raisonnable pourrait être une augmentation du temps jusqu'à 30 minutes. Mais au-delà, je pense que ce ne serait pas justifié. Merci beaucoup, time Monsieur le Président. About to half a day. This is completely excessive. It would be reasonable to allot a further 30 minutes at most. Thank you, Mr. President.
The President. Thank you. After hearing the request made by the defense team for Mr. Nguyen Chia and the observation of other parties, the Chamber has taken everything into consideration and the Chamber decides to grant time for the two defense team to put the question to the expert. Pour leur interrogatoire du de l'expert. For the afternoon of tomorrow, demain après-midi, at the start of the hearing of the expert testimony, we will grant the prosecutor additional 20 minutes at the beginning if you wish to put the question to the expert, and the remaining time will be allotted to the two defense teams. Monsieur le Président, si c'était une question, effectivement, les coprocureurs utiliseront les 20 minutes qui leur ont été attribuées maintenant. Merci indeed, beaucoup. The co-prosecutors will use the 20 minutes that have been further allotted. The President. Yep, thank you. Le Président, merci. I thank you, the expert. Your expert testimony has not yet been concluded. There has been many issues arising in the course of your testimony this afternoon, and we appreciate that you avail of your time tomorrow afternoon to continue to testify before the chamber. The chamber decides to hear your testimony tomorrow afternoon, starting from 1:30 in the afternoon. The chamber invites you to come to provide testimony in the afternoon. À venir déposer en après-midi. The time is now appropriate for the day adjournment. Le moment est venu. The chamber adjourns now and resumes tomorrow, the 6th of June 2013, starting from 8:30 in the morning. Tomorrow morning, we will begin hearing the testimony of Mr. Schoenberg, starting at 8:30 in the morning from through video conference from the United States. Par liaison vidéo depuis les États-Unis. Court officer, please assist the expert to return to his home or to any direction he wishes to go, and have him return to this courtroom tomorrow afternoon before 1:30. Security guards are instructed to bring the co-accused, Mr. Nguyen Chia and Mr. Kyo Sumpon, back to the detention facility and have them returned to attend the proceedings tomorrow by 8:30 in the morning. And as for Mr. Nguyen Chia, he shall be brought to the holding cell downstairs, where audiovisual equipment is installed for him to follow the proceedings remotely. The court is now adjourned.